Dans un saladier, je fouette mes œufs. J'y verse le lait et l'huile d'olive. J'ajoute la farine, puis la levure chimique. Je mélange bien, toujours au fouet, jusqu'à obtenir une consistance homogène et sans grumeaux. Et je termine par le parmesan râpé. Je mélange bien. Je n'ajoute pas de sel volontairement, car le parmesan est déjà bien salé. Ensuite, je vais mettre par-dessus ma tarte une garniture salée aussi, entre la charcuterie et le fromage ail et fines herbes. Donc voilà, après c'est à vous de juger. Voilà, ma pâte est lisse. Et je la verse maintenant dans mon moule à tarte. Et j'enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. Une fois ma tarte cuite, je la démoule. Je retire le papier sulfurisé et je laisse refroidir. Dans un saladier, je mets mon fromage frais et je le mélange avec la crème fraîche. Je verse ce mélange dans une poche munie d'une douille cannelée. Et je poche cette crème sur toute la surface de ma tarte. Je découpe mes tomates cerises en deux. Et je dispose de façon harmonieuse ma charcuterie. J'alterne les couleurs. Et je comble les trous avec des tomates cerises. Ainsi que des olives.